Salut les Skag, aujourd'hui encore une vidéo du concept Angel contre les Youtubers. Aujourd'hui on va se consacrer à un Youtuber particulier qui est un de aussi de mes potes, pas IRL mais sur Twitter. Bon, je parle bien sûr d'Illumas. Aujourd'hui donc, je vais aller affronter Illumas, enfin l'ordi va affronter Illumas, et on va voir un peu qui de nous deux gagnerait dans un combat à main nue, dans un octogone, bien sûr que non. Mais cette fois, je n'ai pas oublié de mettre la ceinture en jeu, parce que la fois dernière, contre Ilado, j'avais oublié de mettre ma ceinture en jeu. Là, je n'ai pas oublié, le Fighting Championship est en jeu. Angel défend contre Illumas. Qui va sortir vainqueur? Vous allez le savoir tout de suite. Et c'est parti, la cloche sonne, Illumas Antoine Angel pour le titre, c'est parti et ça commence avec un empoignement, Illumas qui prend la tête d'Antoine Angel et qui le fait tomber à terre et qui continue ses assauts. Et attention, Angel contre avec l'attaque de la jambe qui étouffe Illumas, Illumas qui reprend la tête d'Angel. Et aouh, ça n'a pas l'air d'aller entre les deux, Illumas qui matraque la tête d'Angel. Peut-être afin de le sonner, afin de mieux remporter le match pour le titre. Angel avec... oh mon dieu, une souplesse. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire le champion? Coup de pied dans le ventre. Et coup de la corde à linge. C'est terminé. Enfin non, c'est pas terminé du coup. Et coup de pied dans le dos esquivé. Angel avec un... un Kalas. C'est Jinder Mahal. Kalas. Kalas d'Antoine Angel. C'est terminé. Jinder Mahal a pris la puissance. Non, s'est emparé d'Antoine Angel. Et attention. Ouh, le coup de pied dans le dos de la part du Dumas. Et bah Illumas l'a tout de suite calmé, attention, il le retire, non, il tire Angel vers l'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il le soulève. Power Slam! Power Slam de la part d'Illumas. Il en a visiblement pas terminé, mais Angel, attention, uppercut, uppercut. Attention, coup de genou, c'est contré, Illumas, attention. Avec une back T-bone souplex des plus puissantes. On tire Angel vers le milieu et on lui tape le bras sur le ring. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire, bien évidemment. Et coup d'uppercut. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Et Paydirt! Paydirt d'Antoine Angel. Angel relève Illumas, mais Illumas le fait passer au-dessus de lui. Et Illumas relève à son tour Antoine Angel. Et voilà qu'on le met dans les cordes. Et Angel éliminé du Royal Rumble, c'est terminé. Voilà, Angel est encore passé par-dessus la troisième corde. Et ouh, coup d'avant-bras, coup de pied c'est contré, coup de genou dans la face. Et Spine Buster! Il le relève. Coup de pied c'est contré, coup de poing. Attention, encore un Paydirt de la part de ton Angel. Qui a décidé de taper la tête d'Illumas ce soir. Et attention, il remet Illumas dans le ring et Angel revient. Illumas essaie de se relever et... Spear d'Illumas! Illumas décide de relever Angel. Et encore avec un Spear! Et le tomber, mais... Ah! Deux! Et non, Angel se dégage à deux. Il en faudra plus que ça pour défaire le champion incontesté. Illumas l'attend. Il est prêt. Il le fait. Spinning Powerbomb! C'est terminé. Et non, les cordes ont sauvé Angel. Et descend du coude. Angel remonte sur le ring. Pour un coup d'avant-bras. Inspire, contré en DDT. Rien ne va plus pour le champion. Illumas se met à le taper à sol. Et s'amuse à montrer ses muscles. Et boum, le genou qui tape le sol du ring. Qu'est-ce que ça doit faire mal. Et c'est parti. Oh non. Brise mâchoire. Super kick, c'est terminé. Et... German Suplex! Angel reprend du poil de la bête. Illumas se relève. Mais pour combien de temps?
Attention, Angel attend comme un con. On ne sait qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, sérieusement? Et oh! Projection dans le coin, Angel dans le coin. Oh, contré par Woodwood, coup de la corde à linge, coup de coude. Projection dans les cordes. Angel passe sous le ring et coup de pied. Et il décide encore de revenir dans le ring comme si de rien n'était. Il affiche un coup de poing dans le ventre. Il lui masse à genoux. Angel a visiblement décidé de le mettre dans le coin. Pourquoi donc il lui masse le contre? Coup de poing. Coup de poing. Ouh, coup de genou. Glorious DDT. Glorious DDT de la part de ton Angel. C'est terminé. Eh non. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Oh non. Qu'est-ce que... Non, 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 non. Brock Lesnar. Brock Lesnar est là. Brock Lesnar est là. Il a décidé de venir faire chier le champion. Mais il n'est pas là en fait. Brock Lesnar vient aider Illumas. Illumas se relève, mais c'est contré. Attention, Illumas qui est éliminé du Rumble. Même si on n'est pas dans un Rumble. Je sais, c'est pour demander lui ce que je viens de dire. Ouf, coup dans l'abdomen. Brock Kick s'est contré. Décidément, ils aiment aller dans les, à l'extérieur ici. Et... Oh non, non, l'enfourchement est contré. Illumas est trop lourd, visiblement. Angel. Et coup de coude de la part d'Illumas qui a contré ce qu'il voulait faire. Coup de... Oh, c'est un bel échange de contre. Attention, Illumas qui est remis dans le ring. Oh, Angel l'attend. Peut-être un Black Mass. Angel l'attend. Angel l'attend. Black Mass! C'est terminé! C'est terminé! Il reste champion 1! Et 2! Et 3 victoires! Antoine Angel conserve son titre ce soir face à Illumas dans un match des plus disputés. Revoyons cette image avec d'abord un magnifique spear d'Illumas qui n'a cependant pas suffi, car Angel s'est dégagé à deux comme nous pouvons le voir ici. Puis ensuite Illumas qui a tenté son finish, sa powerbomb, mais qui malheureusement n'a pas réussi parce qu'Angel tenait la corde. Un Glorious DDT des plus magnifiques qui n'a pas réussi non plus parce que Brock Lesnar est intervenu. Et enfin un Black Mass qui sonne Illumas pour la fin du match et nous avons donc une victoire et une conservation d'Antoine Angel. Et c'est sur cette magnifique victoire et ce magnifique titre de champion combatif que je vais vous laisser. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!